Hey, salut tout le monde, c'est Rookie. J'avais envie de me faire un petit défi aujourd'hui, c'était d'essayer de reproduire une arme de John Wick. Et j'en ai essayé plusieurs, mais on va dire la plus facile à essayer, c'est celle-ci que vous voyez à l'écran. Et j'essaie donc d'adapter une arme le plus fidèle à cette image. Et pour cela, j'ai utilisé la ISO M-Lock. Du coup, je vous propose de kiffer ce petit gameplay à 15 kills quasiment uniquement, je crois. Avec la ISO M-Lock, et on se retrouve à la fin pour la classe. À toutes! Thank you.
Dommage, 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 putain, un petit 15 kills qui régale là. Hey yo, c'est Rookie du coup pour la classe, la ISO M-Log du coup que j'essaie de reproduire à l'identique de l'arme de John Wick sur la photo que je vous ai montré en début de vidéo. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai mis comme accessoire? Déjà, j'ai pas mis de cartouche en plus parce que sinon c'était plus vraiment la même arme. Donc, déjà, pour que ça ressemble, j'ai mis une poignée qui ressemblait à la photo. Pour moi, la plus fidèle, c'est la poignée HEX40 qui permet ce genre de d'avantage, notamment surtout précision et contrôle de tout ce qui est au jugé. Avec les ajustements suivants, contrôle de recul au jugé et précision de tir au jugé au maximum. Ensuite, pour le canon et la bouche, j'ai essayé de mettre... C'est pour moi les deux accessoires qui ressemblaient le plus à l'image. Il y avait peut-être celui-là, mais en fait j'ai préféré celui-là parce que lui permet le contrôle du recul et la vitesse des balles. Et les autres nous ressemblaient beaucoup moins à la photo. Puis là justement, stabilité du recul, portée dégâts au maximum. Et en bouche du coup j'ai mis le Dark KX30. Parce qu'après le reste ne ressemblait pas trop je trouve. Avec les ajustements suivants, visée accélérée au maximum, contrôle du recul au maximum, en sachant que le Dark KX30 permet suppression de flash de tir et stabilisation du recul. Ensuite, bah, en termes de lunettes, il n'y en a pas 36 000 sur le jeu. C'est surtout celle-ci qui ressemble à la lunette SZ Lone Wolf. Parce qu'en fait c'est un peu un viseur holographique, mais avec une sorte de... je sais pas comment ce que c'est, hein, mais de... Il y a une sorte d'accessoire devant qu'il prolonge en fait, et donc il fallait que ce soit devant et les autres étaient plutôt derrière, donc ça allait pas, c'était moins fidèle, donc j'ai mis celui-là. Et puis le reticule est plutôt très très sympa, ça passe très bien. Voilà, donc l'ajustement c'est loin et visée accélérée, le tout au maximum. Et enfin du coup j'ai pas mis de chargeur parce que sinon l'arme ne ressemblait plus trop. Du coup après la crosse c'est pareil, on risque de la changer si on la modifie. Donc il y avait soit poignée arrière, soit laser, soit munition, et j'ai préféré les munitions en mettant les munitions haute vitesse avec du coup portée de dégâts et vitesse des balles au maximum. Et d'ailleurs on se rend vite compte dans le gameplay que ça fait mal avec cet ajustement. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé, ciao ciao tout le monde, à la prochaine.